jour. Salut les amis. Salut Woody. Salut, bonjour. Merci de garder les enfants aujourd'hui. Oh, on va s'amuser comme des fous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais juste en train de manger un morceau. Un seul? Hey, c'est l'uniforme des scouts de la plume que vous portez. Eh bien, moi aussi j'étais un scout de la plume. Est-ce qu'ils t'ont donné une médaille pour t'être gavé de cochonneries à l'époque? Pour ton information, ma petite Splinter, Woody de la jungle est devenu une légende dans l'histoire des scouts de la plume. Je peux vous aider à gagner une médaille tant qu'on est ensemble? Oui, je pense que ça peut se faire. Ouais, ça peut toujours servir d'apprendre comment faisaient les anciens. Super, j'ai bien fait de garder mon uniforme des scouts de la plume. Eh, vous avez vu, il me va toujours comme un gant, non? Oups. On commence par la médaille de survie. Ça a toujours été ma préférée. Il y a 3 étapes pour obtenir une médaille de survie. Chercher de la nourriture, allumer un feu de camp et installer un abri. Pouh, y a rien de plus facile pour un scout débutant, Knothead. Je vais vous montrer. Ouais, si tu le dis. Première étape, chercher de la nourriture. Pour connaître la liste des plantes comestibles... C'est pas dans les livres qu'on apprend à survivre dans la forêt. Il faut le vivre. Vous n'attraperez jamais rien avec ça, vous savez. Voilà! Cette canne à pêche ne fait pas très Woody de la jungle. Je te signale que cette canne à pêche est... Quoi? J'ai attrapé quelque chose! Attends! Hé! Moi aussi! Oh, oh, pitié! Observez! Prenez-en de la graine! Aucun poisson chat au monde ne résiste à la canomatique ultra pro! Cette canne est... Essayons de rester simple pour l'étape numéro 2. Ça vous va? Brindille, étincelle, joli feu de camp. À vrai dire, j'ai des allumettes dans mon sac à dos, Woody. Et le guide dit qu'il faut... Je peux essayer aussi? Les guides de survie, c'est pour les nuls. Tada! Je vous remercie. Merci beaucoup. Pourquoi tu filmes pas ça? Woody! Vous sentez cette bonne odeur de feu de camp? Ça vient de ta tête! Quoi, ma tête? Ah non! J'arriverai pas à regarder cette fois! T'inquiète pas! Je posterai toutes les vidéos sur YouTube et tu pourras les regarder plus tard. Ça va là. Oh, pourquoi ça tient pas? Comment ça marche? L'étape numéro 3 vous prend beaucoup trop de temps. Mais il faut bien qu'on apprenne comment installer une tente. Les tentes, c'est pour les nuls. Suivez-moi. Tada! C'est largement plus robuste que votre tente. T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Mais non, venez. Mais dans le guide, il conseille... De regarder avant s'il n'y a pas de signe de la présence d'un animal. Splinter? Quoi? Si je filme pas, comment est-ce que tu veux que ça devienne viral? De la jungle. On n'a pas eu de médaille de survie, mais le badge de premier secours, il est super cool. Et grâce à tes échecs catastrophiques en série, mes vidéos sont devenues virales. Oh, Woodrow, est-ce que tu souffres toujours autant? Seulement quand je cligne des yeux. Ça tombe bien. J'ai l'impression que le fait d'avoir tous les os cassés m'a donné faim, finalement. J'ai vraiment besoin de reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on mange?
Du poisson chat. Ça, c'est de l'or en bas. La quête du jaguar de Jade. Au revoir, hiver glacial. Bonjour, Rio. Encore toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu prendre des vacances. Moi aussi. Buzz, le Brésil est suffisamment grand pour nous deux. Donc je t'ignorerai si toi tu m'ignores aussi. Je te rassure, Woodpecker, je t'ignore déjà. Tcha tcha tcha. Qu'est-ce que tu as trouvé, amigo? On dirait une carte au trésor. Mais ce sont juste des symboles au hasard. Tu comprends quelque chose, toi? Oh! Oh, oh, le jaguar de Jade. Tu as trouvé une carte conduisant au légendaire jaguar de Jade. Oh, le jaguar de Jade, c'est plutôt chouette, non? Très chouette, amigo. Mais le jaguar est caché au fin fond de la forêt tropicale de Rio. On s'y perd facilement. Tu saurais m'aider à le trouver? Oh, Louise peut t'aider à trouver tout ce que tu veux. À moins que l'objet ne veuille pas être trouvé, évidemment. Heureux de te connaître, Louise. Je m'appelle Woody. Alors comme ça, monsieur a trouvé une mystérieuse carte au trésor. C'est dans cette direction, Woody. Alors, qu'en penses-tu? Elle est magnifique, cette forêt. Je vais laisser cette cervelle de moineau me mener au butin. Ensuite, je lui arracherai le trésor juste sous son bec. Va-t'en! Bien, nous voilà arrivés au premier repère de la carte. Moi, je peux voler, mais comment est-ce que tu vas traverser? Moi, je me balance. Dans ce cas, je vais faire honneur aux coutumes locales. La carte dit qu'il faut emprunter ce passage. J'espère que ce fameux jaguar de Jade vaut le coup de prendre tous ces risques. Oh oui, ça vaudra le coup. Pour moi. Surtout, tu ne dois pas t'inquiéter. Parfois, ces cavernes sont habitées par de petites créatures. Et parfois, elles sont aussi habitées par de plus grandes créatures. Je m'en souviendrai la prochaine fois que plus jamais je visiterai une caverne. J'ai été ravi de te connaître, amigo. On va sortir d'ici en un seul morceau. Fais comme moi, d'accord? Je dois admettre que c'était plutôt amusant. Sauf la partie avec l'horrible arachnide carnivore géante. Je me suis fait pipi dessus. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, un vautour n'est jamais pris au dépourvu. Le jaguar de Jade se trouve en haut d'une falaise au bout de cette rivière. Mais il va falloir un moyen de transport. À bord du SS Woody. Attention à la marche. Changement de plan. Passe. Je
Je ne manquerai pas de transmettre vos amitiés au jaguar de Jade. Hé, rends-moi ça! Sois tranquille, Woody. J'ai mémorisé le chemin. Un singe n'oublie jamais rien. Je croyais que c'était les éléphants qui n'oubliaient rien. Les éléphants ont oublié qu'ils doivent leur bonne mémoire à leurs amis les singes. Je suis riche! Non, sûrement pas! C'est mon trésor! Quoi? Le jaguar de Jade est un restaurant? Alors, ça veut dire que la carte au trésor était une... Une publicité. C'est plutôt bien pensé, non? Il n'y a donc pas de trésor? Il n'y a pas de trésor plus grand que celui de partager un bon dîner avec un nouvel ami. Tu as tout dit, amigo. Oh non, pas elle! Il fait froid dedans. Ouh, Winnie est arrivée. Elle est juste à l'heure. Bonjour, sois la bienvenue, Winnie. Je t'en prie, viens te mettre au chaud. C'est gentil, merci. Alors, qu'as-tu prévu pour notre soirée? Tu veux dire qu'est-ce que je n'ai pas prévu? D'abord, nous allons manger un petit morceau. Apprenez-vous, mademoiselle. Ensuite, nous allons danser un peu. Et nous finirons la soirée à plumes devant la cheminée. Oh, Woody, tout ça m'a l'air absolument merveilleux. Oh, tu es un gentleman. Mais d'abord, j'ai besoin de me rafraîchir un peu. Oh oui, chouette! Quoi? Oh non! Non! Que se passe-t-il? Rien! À table! Qu'est-ce que c'était, ça? C'est un tic nerveux. Ça recommence! J'ai mangé trop de sucre ce matin. Il y a forcément quelqu'un qui tape à la porte. Je suis sûre que c'est seulement le vent. Pourquoi tu es si... Oh, Chili Willy, oh mince. Tu dois être frigorifié. C'est un pingouin. Les pingouins, ça adore ça, le froid. Tu as été surpris par la tempête. Mon pauvre petit. Je parie que tu meurs de faim. Ah oui. C'est ma place. Va chercher une autre assiette, Woody. Allez. T'as gagné. C'était censé être une soirée seule tous les deux. C'est bon. La voilà, son assiette. J'en reviens pas. Où est passée toute la nourriture? Sois gentil, Woody. Chili est notre invité. Allez, tiens, mange. Tu peux m'agacer, celui-là. Ah, oublions le dîner. En piste! J'ai envie de danser! On veut? Thank you.
Touche pas à ça, quoi. Oh, tu as le pied d'une légèreté extraordinaire. Excusez-moi. Hein? Bien sûr, avec plaisir. Pardon, je peux? Oh, oui, je t'en prie. C'est mon tour. Après toi. Et bien sûr. Voilà qui est mieux. Qu'est-ce que tu dirais d'aller se détendre près du feu? J'en ai assez! Si tu continues, Je vais te faire couler un bain, d'accord? Les pingouins aiment bien l'eau, non? Je fais au mieux pour être le meilleur des autres! Oh, il est tellement mignon, ce petit gars! Alors, on en était où? Oh non, le feu est en train de s'éteindre! Oh, ne t'inquiète pas, je vais rajouter une bûche. Comment t'as fait? Tu es le mal incarné! Où est passé Woody? Oh, il est parti chercher du bois pour le feu. Quelle délicate attention! Oh, il fait de plus en plus froid ici. Oh, qu'est-ce que c'est gentil, merci. Winnie! Winnie, ouvre! Laisse-moi entrer! Tu as entendu quelque chose? Oh, Chili, tu es le meilleur!